Action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci avec mon petit mari. Bonjour tout le monde, des bisous, des kisses. Donc, des kisses. Donc on se retrouve pour un petit jeu très sympathique que moi personnellement j'adore regarder sur YouTube. Donc un jeu de couple. On a plusieurs questions et on doit répondre par moi, lui, moi, elle. C'est un nom d'ailleurs, non? Hein? C'est un nom. C'est un nom. Ah oui, le nom du jeu c'est qui de nous deux. Donc, et puis je pense que ça va être très sympa parce que moi et mon mari, on n'est jamais d'accord, enfin, on est rarement d'accord. Voilà. Parce que j'ai toujours raison. Donc, je vous assure que ça va, ça promet. Allez, c'est parti. D'abord, donne-moi ça, c'est à moi. Alors, question 1. Qui est le plus beau? Ah, c'est bien. On est d'accord. Qui est le plus intelligent? Oh. Allez, on commence. Allez, c'est parti. C'est parti. Qui est le plus grasse mat? Alors. On réfléchit pas trop. Hein. Non, c'est un petit peu quand même, parce que là, ça dépend des week-ends ou des semaines. Oui, mais avant. Non, avant, là non, je suis en pause niveau professionnel. On parle maintenant. C'est un jeu de maintenant. Non, moi, non, franchement, c'est lui parce que moi j'aime pas dépasser 9h ou 8h. Oh, ça c'est plus vrai ça. Ah non, mais ah, tu dors maintenant. En ce moment, je dors. Parce que je me repose. C'est fatigué. Mais c'est grâce à moi, ça. C'est lui. Lui peut dormir jusqu'à 11h. Alors le week-end, c'est vrai que c'est moi. Je dors le plus. Il faut que je dorme. J'aime dormir. Mais la semaine, je me lève très tôt. Voilà. C'est pas honnête, c'est lui. Alors, qui téléphone le plus souvent? Moi. Tu développes? Je développe. Lui, il aime appeler que moi et rien d'autre. C'est bien, mais je le pousse à appeler tout le temps la famille et tout ça parce qu'il n'aime pas le téléphone. Ouais, il n'aime pas. Téléphone. Il pense aux autres, mais il n'aime pas appeler. Il n'aime pas prendre le téléphone et appeler. Dès qu'il prend le téléphone, il s'endort. Mais vraiment. Rien que d'en parler, il a envie de bailler. Dès qu'il prend le téléphone, il a envie de dormir. Mais du coup, c'est moi qui appelle pour lui et j'appelle ma famille, sa famille, bref. Donc voilà, c'est plutôt moi. Qui engueule l'autre le plus souvent? Mais regarde ça, pourquoi tu triches? Toi aussi tu m'engueules, mais nous deux. Bon, allez, oui, nous deux. Oui. Allez, nous deux. Voilà. C'est bien. Sauf quand elle m'engueule, j'écoute, mais moi quand je l'engueule, elle me re-engueule aussi. Donc. Qui dort du côté droit du lit? Ça c'est super important. Côté droit, quelle droite? C'est là. La droite de tout le monde en fait. C'est là, droite, c'est la même, la gauche, la même. Oui, ouais. C'est moi. Mais non, c'est moi. À droite du lit, c'est moi. Mais n'importe quoi. Qui dort là-bas? Attendez, on va en venir, on va y arriver. Hein. Qui dort de l'autre côté? Alors, comme qui ça dort, oui, qui dort comme ça? C'est qui dort comme ça? Mais c'est moi. Toi, tu dors comme ça et la porte est comme quoi. Ça à gauche. T'es en face du lit. Mais elle est malade. T'es en face du lit. Oui, mais en parlant que le lit soit comme ça. Ah, si t'es dans le lit. Ah, alors c'est... Ah oui, c'est moi. Dans ces cas-là. T'as oublié quelque chose. Ah non. Attends. Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Bon, là... forcément... Heureusement. Je m'inquiéterais sinon. Moi aussi, je m'inquiéterais. Ensuite, qui fait le plus souvent la cuisine? Tout le temps. Toi, tu cuisines juste quand il y a une occasion, des fêtes, où il cuisine super bien, mais il... Mais non. Elle est grand, elle se réveille. Bon, c'est elle, c'est sûr. C'est moi. Ouais. Moi, je cuisine, mais vraiment... C'est un bon cuisinier. Quand il cuisine ici, mais vraiment... Quand c'est exceptionnel, voilà. Quand c'est premier de l'an, des choses comme ça. Oui. Sinon...
ça me saoule. Qui est le plus gourmand? Alors. Deux. Ouais, je pense. Alors moi, c'est plus le salé, et toi, c'est plus le sucré. Ouais. Moi, je dirais. Ouais. Mais des fois, t'es plus sucré que salé. Ça dépend en fait de ce que ton corps te réclame. Non, alors, je suis quand même plus salé, mais bon. Ouais, moi, trop sucré, hein. Juste une grande de grand. On est pas au téléphone là. Oui, c'est pareil. On est pas au téléphone. Qui est le plus bordélique? Ah, c'est bien, ma chérie. Bravo. Moi, je suis très bordélique. Je peux ranger, je range, j'adore, alors, je nettoie beaucoup. Mm-hmm. Je peux ranger, quoi? Ouais, vas-y, ouais. Je nettoie beaucoup, je suis maniaque, j'adore que tout soit propre. Je pas maniaque non plus. Je suis maniaque, mais c'est... Alors quand tu ranges, en fait... Je dérange. Tu déranges. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que tu vas laisser les choses comme ça, ouais, tu vas ranger, tu vas laisser les choses par terre. Je dirais pas bordélique, mais mal organisée. En fait, comme je suis mal organisée, ça tombe dans le... Elle finit pas les choses. Voilà, ouais, elle laisse les choses et elle va attaquer cette autre chose, mais ça va rester. Ouais. Donc c'est vrai. Après, mais je passe par derrière, je range. Ou pas du tout. Alors, ah, si. Ah, 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 ah. Alors, qui s'endort le premier? Je suis jalouse. Non mais quoi? Ne réfléchis pas trop quand même. Quand même, hein, quand même. C'est alors on va dire. Non, chérie, franchement. Allez, on va dire moi. Allez. Lui, dès qu'il met sa tête sur l'oreiller, ça y est, il commence à ronfler. Je ronfle pas. Non, tu ronfles pas. Alors, qui veut sortir le plus souvent? Alors, là, on va dire tous les deux. Moi, je pense. Non, on sort pas trop. Non, mais c'est pour ça maintenant, oui. Alors, avant, au début, c'est toi qui voulais sortir le plus souvent. Moi, j'étais plutôt casanier. Oui, ouais. Maintenant qu'on est ici, j'aurais plus tendance à vouloir sortir. Ouais. Et toi, peut-être un peu moins. Ouais. Voilà. Mais en fait, j'ai pris ça de lui, maintenant, on sort. Après, quand on sort, nous, c'est plutôt des sorties en famille avec nos enfants. On sort jamais sans mes enfants. Ils sont toujours avec nous. Ah oui, c'est toujours famille. Et donc, quand on sort, c'est tout ton... ensemble, il n'y a jamais l'un qui sort. Ouais, de toute façon j'ai pas le droit. Au moins non plus. Qui a parlé de mariage le premier? Attends qu'il trouve déjà dans sa tête. Allez, c'est moi. J'en ai il parlé. Était amoureux, mais oh amoureux, mais magma. C'est pas ça, j'étais obligé. Il a pleuré. Il y a toute sa famille qui est venue. Marie-toi avec moi. Ils sont tous venus, ils m'ont dit, vas-y, tu te maries avec ma fille, sinon... Ma famille ne les connaissait même pas. J'étais obligé. Non, il a pleuré, j'ai des témoins, si vous voulez. Je pleure jamais. Il voulait absolument, mais c'est mignon, mais c'est ça qui m'a plu chez toi. Oui, mais quand même, faut pas... Qui ronfle le plus? Ouh là là. Ah là 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 là. Moi, des fois, mes nuits sont un désastre à cause de lui parce que c'est... Moi, c'est mon réveil des fois aussi. Ouais. Non, pas du tout, ça te réveille pas. Il ronfle beaucoup. Alors, il faut dire qu'avant, je ronflais pas du tout. Et j'avais horreur des gens qui ronflaient. Et depuis que je suis arrivé à 40 ans, à l'âge de 40 ans à peu près, eh bien, j'ai commencé à ronfler. Alors, maintenant, depuis que tu t'es marié avec moi, tu ronfles? Je pense que c'est biologique un peu, c'est avec la vieillesse, il y a peut-être des organes non, qui... Bébé, si, mais il faut le dire, mais ça y est, je suis en vieux. Fait, mais non, mais depuis que tu t'es marié avec moi, t'es tellement bien avec moi que tu t'endors super bien. Et puis tu rêves de moi et tu rêves la bouche ouverte. Ah, une autre question. Alors, qui dit le plus souvent, je t'aime? Alors moi et moi. Voilà, on se dit beaucoup je t'aime, même avec les enfants. Même avec les enfants. Ouais, c'est vrai. Qui conduit le plus mal? Je peux dire moi parce que je conduis pas, j'ai pas le permis. Ouais. Et quand il m'apprenait à conduire, c'était un désastre. Voilà, c'était un désastre. Ouais. J'écoutais pas. Moi, le pauvre moniteur qui va m'apprendre à conduire, je le plains parce que je suis une têtue et puis je vais inventer mon propre code à moi de conduite. Alors, il y a les low elbow. Alors, qui a le plus de défauts? Alors ça, c'est compliqué. On a tous les deux des défauts. Ouais, pour moi, j'allais mettre les deux. Ouais. On a tous les deux des défauts. Ouais. Et on s'accepte avec le défaut. C'est vrai. Et des fois, quand on s'engueule, on se reproche nos défauts,
Et lui, on est comme ça avec notre défaut. Ouais, c'est, voilà, exactement. Bon, il en a un peu plus que moi, mais... Ah, pas du tout, il a plus que moi. C'est, il aime comme il est. Qui aime le plus faire les magasins? Alors ça, c'est une question, en fait, on n'en fait jamais. Aucun de nous deux, on n'aime pas... On fait pas trop les magasins. Ouais, on n'aime pas quand il y a du monde, ça nous stresse. Comme on a dit, on sort toujours avec les enfants. Voilà. Aller faire des magasins avec les enfants, c'est très compliqué, ouais. Donc on fait pas. Bah, on a essayé de le faire que tous les deux, mais on était pas bien. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Le bruit et tout, oui, on n'aime pas du tout. Ouais. Et on aime prendre le temps à faire les magasins, il y a quand même toujours du monde et du bruit, on n'aime pas trop. C'est bien, ouais. Alors, qui dépense le plus? Moi, en fait, je dépense jamais rien. Non, en fait, lui, quand, par rapport à ses besoins, c'est moi qui lui prends. S'il a besoin de vêtements, c'est moi qui lui prends. Et il trouve que j'ai un bon goût. Donc, non? Ah, si, moi, chérie, t'as un très bon goût. Donc, quand il a besoin de vêtements ou... Toi, tu dépenses plus pour le sport, les protéines et tout ça, je trouve. Ah, et, ouais. Et pour tout ce qui est besoin, vêtements ou autre, c'est moi qui lui achète. Et je dépense pour toute la famille, pas que pour moi. Donc... pour mes enfants, moi et mon mari. Et ils sont souvent pour des choses aussi inutiles. On passe à une autre question. Ah si. Qui est le plus mauvais joueur? Il regarde, il va tricher. Non, je triche pas. Okay. Moi, je dirais les deux. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est une mauvaise joueuse. Qui est le plus maniaque? Moi, je suis un peu maniaque quand même. Beaucoup. Hein? Ouais, moi. Ça, c'est tellement beaucoup que ça devient un peu, je trouve. Ouais. Alors, je fais rarement le ménage et tout ça, mais j'ai horreur de voir quelque chose traîner. Voilà, c'est vrai que je suis maniaque. Il est maniaque, mais il range pas. Donc, c'est moi qui range. Ouais. Voilà. Je suis pas il faut être maniaque et ranger. Pas un maniaque manuel. Voilà. Je suis un maniaque intellectuel. Alors, qui est le plus maladroit? Ouais, tous les deux, moi je dirais. Oui, oui. Allez, tous les on deux. Est tellement franc et direct qu'on peut vraiment être maladroit dans tout. Hein? Ah, mais là tu parles dans les choses qu'on pourrait dire. Ouais. C'est pas que ça, c'est maladroit même dans les gestes, dans les. Tout ça. Quoi. Ah oui, beaucoup. C'est assez large. Moi, pour tout ce qui est communication, c'est moi qui. Plus nous deux. Et pour tout ce qui est gestes, quand il joue avec les enfants, avec moi, c'est une catastrophe. Pas maladroit, catastrophe. Qui a la meilleure belle-mère? Pourquoi t'as mis cette question? Hein? Pourquoi t'as mis cette question? C'était une question qu'il y avait déjà. Donc, alors, c'est quoi? C'est ah oui, voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire. Hop! Voilà. Bon, moi, j'ai une excellente belle-mère. Elle est très gentille. J'ai une très belle, belle famille. Oh, oui. Je les adore. C'est ma famille. Moi, voilà. Moi, ma belle-mère, c'est ma belle-sœur. Donc, je dirais ma belle-mère, c'est ma belle-sœur. Et je l'aime de tout mon cœur. Donc, voilà. Voilà, et puis pour ma belle-mère. Non, en fait, on a contact. Sans commentaire. On a de contact qu'avec ma soeur. Voilà. Voilà. Je t'aime, ma belle-soeur. Alors, qui est le plus douillet? C'est quoi douillet? Ça veut dire quoi, douillet? Douillet, c'est dès que t'as un petit bobo, dès que t'as un petit quelque chose, on t'entend, tu te plains, voilà, c'est ça, douillet. Et donc c'est clair. Pourquoi? Parce que dès que t'as un petit quelque chose, une petite bosse, ça y est, c'est un cancer, c'est une tumeur, elle va mourir, il faut aller aux urgences. Voilà. Je suis parano. Voilà. Je suis parano et je tiens ça de ma mère, elle est pareille. Donc moi je me coupe un doigt entier, je me mets un bout de scotch c'est fini. Moi j'ai eu plusieurs tumeurs, j'arrête pas, même petite. Une fois, attendez, je vais vous raconter une anecdote. Une fois quand j'étais petite, je jouais dehors et puis je portais un t-shirt noir. Et ce t-shirt noir en fait, ça, comme il pleuvait, ça... Et ça mouillait. Ça mouillait sur mon corps, ça a laissé des taches noires. Et je suis rentrée chez moi et ma mère, elle voulait me changer. Et du coup, elle m'a pris directement chez le médecin parce qu'elle a cru que j'avais une maladie grave de peau alors que c'était juste le t-shirt. Et puis, je tiens ça d'elle. Voilà. Donc. C'est une très belle histoire. C'est moi. Qui boude le plus souvent? Trop même, c'est beau, c'est trop. J'adore bouder. C'est trop.
Non, c'est pas trop. Arrête, c'est trop mignon. C'est trop... Mais tu aimes ça. Bah, j'aime pas du tout. Alors là, là mais alors, loin de ça. Surtout pas parce que j'aime ça. Hein. Non, mais je goûte pas pour rien. Attention, ouais. Hein, je dis pas. Oh, allez. Elle boude pour rien, elle boude pour rien, je goûte pas pour rien. Ah si, je si, préfère si, bouder que rentrer dans des engueulades ou. Non mais des fois, mais c'est pour rien. Des fois, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Parce qu'il s'en rend pas compte de tout ce qu'il fait. Personne s'en rend compte d'ailleurs. Ensuite, qui pense aux dates d'anniversaire? Même la sienne. Hein. Ouais. J'ai pas de mémoire. Rien du tout. Et moi, je peux vous dire que je me rappelle des anniversaires de toute la famille, la mienne et la sienne. Et puis, je dois être derrière lui pour lui rappeler. Le reconnais, je sais pas date. Rien du tout. C'est vrai. Heureusement, t'es la machine. Vous avez ça. Ensuite, qui est le plus câlin? Nous deux, on est trop câlins, on adore les câlins. Ouais. Les enfants, pareil, c'est comme avec ça. Avec les enfants, on est très câlins, on dit beaucoup de « je t'aime », tout ça, c'est vrai. Qui offre le plus de cadeaux? On parlait tout à l'heure, je pense, c'est un peu... Chami, mon cœur, c'est moi. C'est la dépensière. Voilà, mais justement, les cadeaux, ça rend nos dépenses, et j'adore faire plaisir aux autres, j'adore offrir des cadeaux. Après, on fait pas trop de cadeaux non plus, on n'est pas, à part aux enfants, ouais. On n'est pas... On fait passer les enfants avant nous. Oui, il y a déjà ça, et puis nous, c'est plus les choses vraiment utiles. On se fait un petit restaurant à nous deux. Voilà, les restaurants, les sorties avec les enfants, voilà, ça c'est nos cadeaux en fait. Qui est le plus souvent en retard? Moi, toujours en retard. Moi, si j'ai un rendez-vous, par exemple, à 4h30, ben, je vais sortir à 25. Ouais. Alors moi, si je suis en retard, en fait, c'est parce que ben, je suis avec toi. Voilà, sinon, je suis pas en retard. Enfin, pas trop. Je suis pas ponctuel du tout. Qui a le plus de chaussures? Ben, moi. Non, c'est moi. C'est moi et heureusement d'ailleurs parce que sinon je m'inquiéterais et... Quoi qu'il y a des hommes aussi qui ont beaucoup de baskets, de choses comme ça. Tona aussi, Tona. Oui mais... Mais moi plus que toi. Voilà. Je fais pas collection. Qui est le plus sportif? Mais tu tardes bébé à prendre les papiers, les affiches. Mais oui c'est parce qu'ils sont loin de moi. Lui. Oui, ouais. C'est un adepte, il vit sport, il mange au sport, il respire au sport. C'est vital en fait. C'est bon, très c'est vital pas, pour lui. C'est pas juste je suis aussi sportif, mais moins que lui. Par rapport à lui, j'en fais moins. Ouais. Qui est le plus susceptible? Nous deux. Alors, ouais, nous deux, mais dans la susceptibilité, on peut aussi englober le boudage. Et comme toi, t'es beaucoup boudeuse. Non, pas du que, en fait, on... Donc, bon, c'est un petit attention, peu... on retire ce que tu dis parce que je vais te dire que c'est toi qui... Arrête. Non, c'est nous deux. Je sais pas comment développer ça, en fait. Encore, on est susceptible. Quand tu prends mal les choses. Ouais. Tu mets des choses, tu le prends mal. Non, je l'étais avant, mais maintenant, j'essaie de respecter... Attends. J'essaie de respecter tout le temps la vie de l'autre et puis essayer de comprendre ce qu'il veut dire et tout. D'accord. Ouais, c'est une bonne explication. Qui est le meilleur bricoleur? Ah, mais t'as vu, j'avais lui. Ouais. Ah, heureusement. Moi. Heureusement, franchement, pour ça, il n'y a pas de problème. Il peint les murs, il bricole, il peut... Il était chef d'entreprise de bâtiment avant, c'était son métier. Je suis très manuel. Très manuel, ouais, et j'espère qu'il va transmettre ça aux enfants aussi. Ouais, il faudrait. Ouais. Il faudrait, je rate du coin de l'œil comme ça, parce qu'ils sont derrière. Ils regardent. Bon, mais ma chère Imane. Ça y est. Eh bien, ça y est, pour cette fois. T'as aimé? Oui, bon, il y a quand même pas mal de questions, c'était quand même pas mal. Alors dites-nous hein, si c'était bien ou pas. Oui, ouais. Moi j'ai pas trop l'habitude encore, la caméra. Mais il est encore mal à l'aise. Je
Je suis un petit bleu encore. Donc la prochaine fois, on va vous proposer un autre jeu. Ça va être quoi? Ça va être marrant. Ça va être très marrant parce que on va faire comme un challenge en fait. On va proposer un jeu de est-ce que on se connaît. Comme les amours en fait. Voilà, comme les amours. Et le perdant va faire un challenge. Donc, voilà, en fait, ce sera le gagnant qui devra. Dire ce que le perdant demande. Moi j'adorerais d'être dans cette studio quand même. Mais merci. Merci d'être venu quand même. Appelle-moi quand, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc voilà, si vous avez aimé ma présence, surtout. Dites-moi si vous voulez qu'il fasse plus de vidéos avec moi. Il a envie, mais il est juste mal à l'aise. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Bye bye. Bisous. Bye bye. Attention. Deuxième. Allez. Qui est le plus doué? Doué. Qui est le plus douillé? Douillé. Avec mon accent. Attends, je refais. Qui est le plus douillé? Douillet. Voilà. Allez. On est d'accord quand même sur cette chose. Tu t'approches un petit peu parce que t'es pas censé. Oui. Non, arrête, approche-toi. Ouais. Qui dépense le plus? On l'a déjà dit. Non, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Qui offre le plus de cadeaux, c'était? Et pas. C'était si là. On l'a dit. Qui dépense le plus? Bon, bah, c'était bah, pour mais le non, mais parce que c'est, lui... pour être sûr que vous ayez bien compris qu'elle dépense beaucoup d'argent. Bon, je dépense quand même, mais on va pas répéter non plus la question deux fois. Alors, qui est le plus susceptible? Ou toi? Non, c'est toi. Oh, arrête, je vais trop mal le prendre. Bon, moi aussi, allez, un peu, allez, tous les deux. Mais allez. Sois honnête, mais tous les c'est deux, nous deux, si t'es susceptible. C'est nous deux. Bon, c'est nous deux. Allez. Voilà. C'est nous deux.